Vous êtes sur RTL. Donc on est presque à l'heure, 7h58. Et vous ne cuisinerez plus jamais les saucisses de la même façon. Non. Oui, analyse de fond sur un phénomène étrange qui interpelle la planète entière, le phénomène dit de la saucisse hurlante. Car vous avez certainement déjà fait griller des saucisses dans une poêle et là, vous n'avez remarqué que le crépitement des saucisses dans la poêle. Hein, normal. Quel doux bruit. Sauf qu'en début de semaine, en agitant sa poêle pour faire rouler les saucisses, un internaute les a surprises en train de se mettre à crier, à hurler, comme un appel à l'aide. Alors, les saucisses ne crient pas quelque chose du genre « Non Yves, ne me mange pas, ne me mange pas !» Non, c'est beaucoup plus subtil. Elles émettent un cri aigu, strident, proche de celui des films d'horreur. Écoutez bien les saucisses hurler. Oui, mesdames, non. Je vous jure, ce que vous entendez, ce sont bien des saucisses en train de griller. Ça me rappelle autre chose. Et le phénomène n'est pas isolé. Nombreux sont les internautes à avoir constaté la même chose. Le site Combini a donc mené l'enquête et un scientifique britannique qui a étudié le hurlement de saucisses de 1845 à nos jours, c'est véridique, est formel. Non, les saucisses ne sont pas possédées. Leur cri résulte d'une combinaison de facteurs complexes. En gros, plus la saucisse est petite et grasse, plus elle risque de crier. Un hurlement pouvant tout de même atteindre 78 décibels, l'équivalent d'un aspirateur. Pas de quoi nous couper l'appétit pour autant. Non, vous savez que depuis que vous avez passé la chanson officielle de Camembert Village, oui, bah on a reçu le disque. Ah, c'est formidable. Bien, oui, on les réécoute, nos camarades. Là où commence la vie. Avec du camembert, je n'ai rien contre. Bon, c'est dédicacé, hein, à la main. Voilà, on les remercie. Et j'espère qu'on a contribué à leur succès qui est déjà immense.